partir à la guerre. C'était pour finir à la guerre. Nous ordonnons quelques sabres qui exigeaient. Le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc que nous sommes à l'Humanité, journal extrêmement important à nos yeux depuis le temps, parce qu'on a grandi ensemble en fait, hein, avec le mât, on a grandi avec ça. Donc voilà, on nous a demandé un soutien, on fait le soutien important pour nous, pour que le mât continue d'exister. Et voilà, donc c'est un grand plaisir d'être là. On est venu exprès de Toulouse quand même, donc c'est pareil. Eh bien merci. Bien ici. On est bien, ouais. On est content d'être là. C'est vrai que c'est être à côté de ceux qui ont été à côté de nous, ça nous semble essentiel. Quoi. C'est une réciprocité qu'on aimerait voir dans le monde politique. Quand on soutient les gens, on se rend compte que souvent ils ne nous soutiennent pas derrière, après, sur nos combats et les valeurs qu'on porte. Et donc pour nous, c'est important d'être dans cette réciprocité-là. Parce que bon, bien sûr, ça fait partie de notre histoire, de notre enfance, de notre construction. Mais en même temps, on a été soutenu par l'UMA régulièrement et on veut soutenir l'UMA le plus longtemps possible. Et vous êtes venu spécialement de Toulouse, là, vous arrivez de Toulouse ? Non, en fait, on était là hier à Montreuil pour une partie. Dipo, lui, est venu spécialement, mais de toute façon, on serait venu spécialement. C'est juste de trouver l'opportunité de le faire et que ce soit faisable, y compris économiquement, bien sûr, et que ça reste un moment de partage et d'échange. On espère que ça va faire du bien à tous les gens qui travaillent ici. Hein. On est surtout là pour ça, en fait, en réalité. L'Einstein a cette valeur-là pour nous. C'est juste de vouloir dire aux gens à quel point on respecte leur travail. Quoi. Et donc là, ce que vous avez prévu, c'est de jouer quelques morceaux? Oui, c'est un peu ça notre fonction au départ. Deux mots avant que ça commence. D'abord, remercier très très chaleureusement Mousse, Hakim, Wava, Rachid, Nico et Lionel. Voilà, Hakim est là. Qui me demandait qui est Mousse, qui est Hakim. Donc Mousse, Hakim. Les remercier très chaleureusement. Dire aussi qu'il y a une fraternité forte qui nous lie. On a des valeurs en partage, en commun. De justice sociale, l'idée que l'identité de ce pays, elle est plurielle, elle est en mouvement. C'est vraiment des choses fortes qui nous lient. On a cheminé ensemble. On est l'UMA partenaire du Festival Origines Contrôlées à Toulouse depuis des années. Ouais, depuis des années, je ne saurais plus dire. 5-6 ans. Voilà. Je ne saurais plus dire combien. Et c'est dans des moments comme ça aussi que ça tangue à l'UMA. On a besoin d'être soutenu, on a besoin de gens autour de nous qui forment, on le dit souvent, un cordon de protection citoyenne autour du journal, de son indépendance, des valeurs qu'il porte. Et donc, on est d'autant plus heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et voilà, merci. Merci. Oui, c'est vrai que nous, on est vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. On espère en tout cas que ce moment aura au moins la valeur de la solidarité qu'on a vis-à-vis de, enfin en tout cas
du respect qu'on a vis-à-vis de votre travail, de la manière dont il est fait dans cet espace-là qui est du journal Humanité. Moi, je vais vous raconter cette anecdote qui est la nôtre. En tant qu'enfant, avec Hakim, notre mère, qui était donc assez présente à la CNL, hein, je ne sais pas où il y a. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient de la cellule Louise Michel au nord de Toulouse. Et ma mère vendait, notre mère qui ne savait ni lire ni écrire, hein, donc elle vendait le journal. Parce que cet objet, il avait une valeur pour elle, qui était la valeur d'aider ses amis, ceux qui l'aidaient à elle, quand elle se trouvait dans des situations, parce que ces gens-là de la cellule l'accompagnaient face à l'administration, qui est si souvent. Qui peut être si souvent injuste, quoi. Donc, face à des gens qui n'ont pas la maîtrise, justement, de toutes les règles, ou en tout cas de la façon de faire. Et donc, voilà, c'est ce souvenir-là. Et bien sûr, après, c'est toute cette parole et cette expression qu'on a. On a été chercher l'information d'une manière à chaque fois volontaire dans l'humain quand on voulait vraiment un regard qui ressemble à notre façon de voir les choses, à nos valeurs. Et il y a cette idée, bien sûr, à l'intérieur de tout ça, de l'autonomie et de la liberté de parole, parce que évidemment, la liberté de parole nécessite de l'égalité au même titre que la société qu'on appelle de nos voeux encore aujourd'hui, même si elle paraît s'éloigner. En attendant, on est convaincu que, voilà, que la liberté d'expression ne peut pas se faire sans égalité. Donc merci à vous pour tout ce que vous faites, hein, et merci pour l'intégrité que vous mettez dans votre expression, dans votre travail. On rencontre voilà, des gens qui ne sont pas, pour nous, on nous classe dans la catégorie des artistes engagés, mais pour nous, l'engagement c'est avant tout une démarche, une manière de faire les choses, être présent, s'accompagner tout au long des années, et apprendre aussi à se connaître et on veut bien être engagé en tant qu'artiste si on part de notre ami boulanger et si on dit qu'il est engagé lui aussi parce qu'il fait vraiment les choses avec son intégrité, son cœur et de la vie, de partager son savoir-faire. Voilà, merci à vous pour votre savoir-faire. Il y a un artiste essentiel qui s'appelle Cheikh El Hesnaoui qui a écrit cette chanson en 1946. Cette chanson, elle s'appelle Maison Blanche, elle n'a rien à voir avec Barack Obama. Maison Blanche, c'est le quartier de l'aéroport à Alger. Donc ils n'ont rien inventé. Dans la chanson, il décrit de manière poétique, c'est en kabyle, il décrit comment les quartiers se vident et comment les villages se vident. Parce que tout le monde va vers l'aéroport, vers Maison Blanche. Tout le monde essaie de trouver des jours meilleurs. Donc voilà, parce qu'un avenir meilleur, ça se tente. Et c'est des paroles qu'on a souvent trouvées dans ce journal. Un avenir meilleur, ça se tente. Et donc c'est un hommage à tous ceux et celles qui tentent encore aujourd'hui et qui ont tenté depuis toujours l'aventure de l'immigration. Voilà, donc parce qu'effectivement, un avenir meilleur, ça se tente et ça se tentera toujours. Donc je vous souhaite un avenir meilleur. Voilà. Maison Blanche. See you.
Si vous ne le connaissez pas, moi vous présentez. Simon Azem, c'est un grand fabuliste berbère, kabyle. Il a écrit des centaines de chansons. Quand il est arrivé en France, il est arrivé à Longwy, d'abord où il travaillait dans les usines de fer, quoi, là-haut. Et puis après, il est venu à Paris, il a ouvert un bistrot dans le 15e. Il a composé de ses chansons. Bon, il est particulier parce que c'est l'artiste préféré de notre père. Enfin, c'était, en tout cas, c'est un artiste qu'on a, comment vous dire, on en a mangé grave, quoi, en fait, on n'avait pas le choix, donc on a même eu une phase de rejet, il faut dire ce qui est, pour l'avouer. En fait, c'est plus tard qu'on s'est rendu compte à quel point on en était imprégné, parce qu'il nous a permis de sentir chez notre père, là, qui était maçon et qui savait ni lire ni écrire, mais à quel point il était mélomane, ça, on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui, donc ça nous permet de faire... de se battre contre notre amalgame, celui entre l'instruction et la culture. Un amalgame assez présent quand même, donc c'est pas parce qu'on n'est pas instruit qu'on n'est pas cultivé. Il était archi-cultivé. Et donc cette chanson s'appelle Sgeder Helgmes. Alors ça veut dire le peuple reconnaît son frère. C'est une maman, c'est une fable, hein, donc c'est une maman vache. Hein, donc il y a des enfants qui sont bœufs, qui sont devenus bœufs. Et elle l'observe dans la vie d'adulte et elle n'est pas satisfaite parce qu'elle trouve que ça ne correspond pas à la façon dont elle les élevait dans la solidarité, dans le fait de partager l'herbe dans le pré, de tirer la même charrette. Et maintenant qu'ils sont devenus grands et adultes, et bien ils tirent chacun de leur côté. En gros, ça raconte.
Et ça, c'est la traduction littérale. Et justement, quand, cette chanson, elle a été écrite en 65, et quand on en parle avec notre père, il dit « Oui, ça veut dire ça, mais c'est pas ça. » En fait, il parlait de Bembela et de Boumediene. Voilà. Donc la parole, elle est prise, chacun à sa façon. Rachid, s'il te plaît. Ça veut dire les mains. Enfin, vous dites les mains, vous aussi. On dit les mains, ça, c'est presque pareil. Infos, voilà. C'est les mains. Voilà, ça c'est les marionnettes, les guignols. Ça, c'est infos, c'est les mains. C'est un signal, hein, c'est juste une interpellation pour qu'elle se rencontre. Qu'elle se rencontre à un moment donné. Ou à un moment donné. On dit à ma place, c'est pareil. Merci. Tu m'as dit qu'à ta place, je fuse le tempo. Je compte sur vous, hein, parce que. Infos! Let's go.
Sénégal.